Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cet épisode 25 sur Planète Centauri. Donc la dernière fois j'ai battu le T-Rex. Non, c'était. Attendez, c'était quand ça? Le mec oublie ses épisodes, c'est parfait. Bon bref, il y a eu l'espèce de maître nécromancien. Ça devait être plutôt ça. Oui, c'était ça, il me semble. Donc le maître nécromancien que je suis allé rebattre, bon c'était assez chiant. Vous voyez que je me suis refait pas mal en potions, 91 potions. J'ai pris le sort qui s'appelle Custom Spell, je l'ai pas du tout renommé, qui donne de la vie à chaque utilisation. Je crois que ça donne, je sais pas, 100 de vie, un truc comme ça. Attendez, je vais voir. Je peux pas voir, c'est parfait. Donc j'ai rebattu le maître nécromancien, où il y avait le gros pigeon dans le gros... La grosse poule qu'il défendait en haut. Et j'ai gagné, voilà, cet arc. Le Dark Bow, 14 à 20 de dommages, 6 dommages de perçant et 2 dommages d'ombre. Par contre, j'ai regardé sur le wiki aussi, en fait, comme boss, il m'en reste un seul, en fait. C'est le genre de fée qu'on avait déjà combattu, mais qui nous a éclaté. Et je ne sais plus où la choper. Donc peut-être que c'est le début de la fin de ce let's play, je pense. Parce que si j'ai rien à faire en plus, je sais qu'il y a des robots et tout ça, je pourrais programmer des trucs. Mais là, je sais pas. En plus, j'ai pas de quête. Donc, ouais, j'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Project. Ça, c'est pour projeter. Il y a ça aussi que j'avais déjà pris. Le double slice, c'est deux fois bas. Tac, tac. Un petit aller-retour. Petit revers. Aussi, je suis allé voir le T-Rex, encore une fois. J'ai aussi fait pas mal de fois le dragon pour améliorer mon équipement. Je sais pas si on le voit là. Non, c'est plutôt sur l'épée, voilà. Mon épée fait 33 et 50 en critique. Elle a une gemme. Non, une rune torche niveau 3, toxique niveau 3 et cutting damage bonus niveau 3. Ce qui fait que ça peut être pas mal. Donc, ça, c'est mes runes. Donc voilà, je suis re-allé au T-Rex ici. Sauf qu'il y avait un chemin que j'avais pas exploré en bas, juste là. Donc il suffit que j'aille à gauche et j'avais eu un T-Rex qui était. Non, c'était pas un T-Rex, c'était une espèce de vélociraptor, mais beaucoup plus gros que les autres. Et celui-ci m'a donné une gemme niveau 5. Donc après celle-ci. Celle-ci d'ailleurs que je vais vous montrer ce que j'ai capturé avec. Dans cette gemme niveau 4, j'ai capturé un coffre mimique. Voilà. Il est là, il se balade, il est content. Mais c'est pas le plus puissant que j'ai capturé. Enfin, niveau puissance, ils commencent tous niveau 5, donc je suis pas certain de sa puissance. J'ai aussi construit deux machines. Ça, c'est la machine pour. Non, je l'avais déjà construite celle-là. Ouais. C'est la machine pour soigner ses Pokémon. Et ça, c'est la machine pour changer le type d'une gemme. Par exemple, j'aime pas la gemme qui fait du Shadow Résistance. Je la mets là et je fais Start et ça la change en une autre gemme niveau 2, aléatoirement. Bon, pourquoi pas. Ensuite, voilà. Donc, je l'ai mis ici. Regardez, sous le gemme niveau 5, T-Rex niveau 5. Je vais vous montrer immédiatement. Sa puissance, enfin ça. C'est assez stylé, j'avoue qu'il y a des trucs qui sont assez stylés dans le jeu, et ça en fait partie. C'est celui-là. Hein. Tac! Voilà, regardez-moi ça. Et je peux lui monter dessus en faisant R. Franchement, c'est pas stylé. Ah d'accord. J'ai absolument détruit ma maison, hein. C'est ce qui vient de se passer. Hein. Génial. Bon, ma maison, je la reconstruirai plus tard. Je suis dégoûté. Je l'avais jamais invoqué dans chez moi, en fait. Donc, super. Génial. Il y a le biome neige. Dedans, j'ai pas fait grand-chose. On n'a pas vu de boss ou quoi, mais d'après le wiki, il n'y a pas de boss là-bas, donc je ne sais pas trop. Par contre, en bas, là, je vois qu'il y a un coffre. Attends. Alors c'est un petit coffre. Écoutez, on va prendre son contenu quand même. Voilà. Voilà, on prend ça. Allez, meurs, voilà. Ok, voilà. Donc on a un T-Rex
qui n'est pas très pratique, malheureusement, vu que il fait beaucoup de bruit et tout ça, mais voilà, il est pas très maniable. C'est compliqué. Je m'attendais à qu'il puisse aller très vite ou quoi. Par contre, il a une allonge assez forte. Non. Ah. Ouais, il a presque plus de vie. Ça, c'est le truc de base, c'est que les mobs invoqués comme ça, comme des Pokémon, n'ont pas beaucoup de vie et c'est un peu chiant. Mais par contre, il va me suivre, j'allais dire, mais non, il est mort. Voilà. Par contre, le Mimic est beaucoup plus vif, malgré qu'il soit capturable qu'avec une Soul Gem niveau 4. Ok, donc bah écoutez, même si c'est la nuit, je pense qu'on va aller au biome de neige pour commencer. Et si vraiment il n'y a rien, on ira voir la fée, que je ne sais pas du tout comment y aller, mais c'est pas grave. Ce sont des détails. Oui, c'est vrai que cette musique est assez reposante, et bien. Comme toutes les musiques de neige ou de froid dans les jeux vidéo. Il faut toujours des petits sons aigus et calmes, et reposants. Allez, voilà. Je réfléchis à ce que j'ai fait aussi pendant votre absence. Non, je sais plus. J'ai dû faire d'autres trucs, mais j'ai oublié. C'est juste que, voilà, je sais plus quoi faire d'autre maintenant dans le jeu. Si c'est pour être plus puissant... Pour être plus puissant dans sa finalité, je ne vois pas l'intérêt. Là où Digordai avait un intérêt, c'était de se barrer de la planète. Là, j'ai l'impression, enfin, même si je me suis crashé avec un vaisseau, j'ai pas l'impression qu'on puisse retourner sur sa planète, en fait. Ou alors, le wiki, je l'ai mal regardé. C'est possible, hein, mais... Aïe. Parce que là... Ouais. Mais peut-être que sous... Aïe. Sous le sol, il se cache des choses dans le biome neige. C'est très possible. Allez, les articodins, vous me faites chier, là. C'est le moment de tester mon arc d'ombre, peut-être. Tac, on prend ça. Hop, voilà. Ah, il fait 13 de dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal de dégâts, c'est bien. Donc on voit que ces mobs là sont d'un autre niveau, enfin... Je suis beaucoup plus fort qu'eux. Dit-il en se prenant une patate à 100 de dégâts. Vorpal Sword, ouais, bon, c'est pas... Je vais les passer... même je pourrais les passer comme ça en fait. Dommage que je puisse pas me transformer en articodin, là. Ils ont l'air d'être plus rapides que les autres. Ah, automatique. Allez, j'espère qu'il va y avoir un donjon plus bas. Et si c'est pas le cas, tant pis. D'ailleurs, étonnant que je n'ai pas fait de... Je n'ai pas creusé ici. Attendez, c'est de l'or ça? J'ai regardé à droite. De l'or si peu profond sous terre. C'est assez étrange. Ouais, c'est bien de l'or. D'accord. Et il y a encore de l'or en haut. Bon, l'or me sert plus vraiment. J'en ai encore farmé pas mal, mais... Plus ça va, plus ça sert à rien, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'avoir atteint mes limites, en fait. Alors que sur le wiki, enfin, clairement, on voit qu'il y a des pistolets laser et tout, donc, et des robots programmables. Donc je ne sais pas comment avoir ça. Et si derrière ça sert à rien tout ça, je ne sais pas.
plus, le cristal vert ne me donne plus de mission. Donc écoutez, j'ai l'impression d'être bloqué. On va suivre les galeries, peut-être que ça m'emmènera vers un boss. Et s'il y a vraiment un boss que j'ai pas vu sur le wiki, ça voudrait dire que le wiki est en retard. Et ça serait mauvais, je pense. Vu que je me base un peu là-dessus pour m'aiguiller parfois. Donc ça là-haut c'est juste une grotte, tout va bien. Là c'est vraiment que je puisse pas crafter des drills ou des trucs comme ça, genre des foreuses, pour aller vraiment bréant plus vite. Parce que... elle est bien gentille la... aïe! La hache, mais... Y a mieux, je pense. Hein. Allez, des mushrooms, on est content. Je sais plus du tout, mais où est-ce que je l'ai eu, cette espèce de fée verte, là? Je m'en rappelle plus du tout, mais vraiment plus. Ce serait le dernier boss qu'il y a sur ma liste. Peut-être qu'après, ça se débloquerait tout ce que j'ai dit avec les robots et tout ça, mais... je ne sais pas. Bon, ça c'est des monstres classiques. Voilà, maintenant ils font plus beaucoup peur. Avant c'était la mort, mais maintenant c'est beau. Ah, ici j'ai déjà exploré apparemment. Donc si j'ai déjà exploré, je vais voir ça de plus près. Alors attendez. Tac. Ouais, j'ai déjà exploré. Ah là là. Bon, voyons. Donc la fée, elle peut être où? À part là, je ne vois pas. Là, peut-être. Là, j'avais creusé jusqu'ici. C'est peut-être là. Hein. Qui sait? Parce que là, c'est le Jurassique. Ouais. Ah, là, peut-être. Ok. Bon, écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Hop. On va faire sauvegarder, écran titre. Voilà, on se retrouve ici. On remet la carte. Et on va essayer d'y aller rapidement. Là c'est le désert. Pareil, le désert, il n'y a pas eu de monstre custom ou quoi. Il aurait pu y avoir un ver géant ou un truc comme ça, mais non. Après peut-être qu'il y en a, on peut vérifier tout de suite. Et j'ai l'impression que je vais faire des recherches pour rien, donc... Donc ouais. Voilà, mourrez. Je vais prendre voilà, mon mimique avec moi. Faut qu'il se fasse de l'XP de toute façon. Attendez, il y avait un coffre en haut. Oui, bon, c'est un petit coffre. Je vais même me contenter de l'ignorer parce que... j'avoue que les petits coffres, c'est pas génial. Ouais, non, j'ai l'impression qu'il y a que dalle. Hein. Ouais. À part si vous connaissez le jeu, si vous l'avez déjà fait le jeu bah dans ce laps de temps défini qui est quelques mois.
Eh bien, je veux bien savoir si vous avez trouvé d'autres choses que les boss qui sont inscrits sur le wiki de Planète Centauri. Je sais même pas s'il est officiel ce wiki. Aucune idée. J'ai pas à chercher à savoir. J'ai pas mis mon sort. Hop, on va le remplacer. Donc voilà. Le T-Rex, je voulais juste vous le montrer comme ça, mais en soi, il est pas hyper utile. C'est même pas une monture fiable, dans le sens où il va pas vite. Mais bon, écoutez, c'est toujours sympa de l'avoir mis. Je suis peut-être plus rapide comme ça à pied. Quand je sprint, du moins. Voilà, il va se faire de l'XP. Lui, pendant ce temps, nous, on va voir la fée. On la trouve un jour. Aïe aïe aïe. Ah, ils sont plus coriaces ici. Hein. À chaque fois que je viens ici, je me fais mais bourrer la gueule. Bon, en général, ici, j'utilise plein de flèches, mais bon. Je suis vraiment là juste en touriste. Donc, ici, c'est pas exploré en bas, on n'y va pas. Hop. Ah mince, est-ce que là c'est exploré? Allez, je vais voir vite fait. Ah, c'est chiant, vraiment c'est hyper chiant que. Ah là là, je peux pas explorer la carte tranquillement, c'est très chiant. En fait, les mouvements que je fais sur la carte, eh ben, genre je me détransforme et tout ça en parallèle. Donc c'est un peu chiant. Ok, le mimique est mort, direct. Allez, on va se soigner, voilà. Est-ce que c'est là? Le truc c'est que... Ah, je peux pas vérifier très très vite. Ah, je suis déjà à la fin. Ok, donc j'ai raté le coche. J'ai raté le coche, tout va bien. Ça doit pas être là. Ça doit être plus proche. Arrêtez avec cette musique calme et reposante, alors que c'est pas du tout reposant là ce qui se passe. Mon Dieu. Ok. Personne ne viendra m'embêter ici. Voyons voir. Alors, je suis là où il y a le Jurassique. Ok, j'ai raté l'endroit en fait. Donc c'est carrément là. Ok. Ok. Ah ouais, mais donc c'est à la fin du désert limite. Ok, d'accord. Écoutez, allons-y. On y va en aile d'oiseau, enfin en aile de démon, de monstre, tout ce que vous voulez. Déjà 18 minutes, ça passe hyper vite. Pourquoi j'ai l'impression d'être lent? Ok, donc on arrive au désert. Ça devrait être là l'entrée, hein. Bientôt. Ouais, c'est ici. Ok, allons-y. Ok. Puis on va là, j'imagine. Je vais là où c'est éclairé sur la minimap, en fait. Putain, je parle avec le nez, des fois, c'est horrible. Ma convalescence n'est pas tout à fait terminée. Ok, j'ai l'impression que ça m'emmène nulle part, mais et pourquoi pas? Allô, mon épée!
Ça me fait marrer aussi. La hitbox de l'épée qui fonctionne pas du tout. Des choses à revoir, hein. Ok, là, ça nous emmène là. Ah, me dis pas que c'était juste pour une prison ou quoi. Là, je suis déjà venu là. Mince, mince, mince. Je continue. Écoutez, je peux creuser directement. Je vais le faire. Ok, d'accord, je suis déjà venu. 100%. Bon. Ça commence à me gaver cette histoire. Je ne sais pas où est le boss. Alors que clairement, on l'a déjà affronté. Mais clairement, c'était dans ce biome-là. Ah, ou alors c'était là. Juste ici. Le truc, c'est que je peux pas régler la caméra comme je veux là. Écoutez, on va faire comme ça pour l'instant. Ah non, pour remonter, ça va être beaucoup trop chiant. Écran titre. Allez, on se retape tout le désert et tout ça, c'est pas grave. Ah. Au moins, il fait jour. C'est bête que je ne puisse pas. Les contrôles sont pas indépendants selon si on est sur la carte ou pas. C'est assez perturbant. Par exemple, pour déplacer la carte, quand je fais ça, en fait, mon monstre attaque. C'est n'importe quoi. Normalement, vous entendez le train. Plus une voiture. Eh ben. J'espère que vous voyez bien la carte, vous, sur YouTube. La minimap qui est juste là. Ok, on arrive au trou où j'ai été m'engouffrer il y a quelques instants. Oula, casse-toi, toi. Aïe. Ah. Voilà, là je suis plus rapide. Je sais pas pourquoi des fois je deviens lent, hein, mais d'une absolue lenteur. Ça fait aucun sens. Ok, est-ce que c'est là? Oui, c'est ici. Donc je vais rester en mode monstre jusqu'à ce qu'on tombe dans ce trou. Voilà, dans celui-ci. Voilà. Ok. Allez, on va tomber dans le trou. Est-ce là-dedans? Mais attendez. C'est pas le trou que j'avais fait, ça? Ah non, c'est bon, c'est bien là. Oh oui! Magnifique, ok. Donc potion c'est prêt. Alors attendez, je vais me booster. Tac tac tac. La régénération c'était la dernière. Toutes les potions que j'ai, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est parti. Voilà, je fais 19 par 19. Enfin, 3 fois 19 du coup. Ah, ce boss ne va pas durer longtemps. Ok, presque la moitié de sa vie. Oula. Comparé au maître nécromancien, franchement, c'est hyper facile.
surtout qu'elle me fait pas beaucoup de dégâts. Je vais peut-être l'attaquer avec mon corps à corps, vu que je fais de la flamme et tout. Voilà, comme ça elle perd de la vie un peu plus. Je vais faire gaffe à ma vie quand même, une petite potion au cas où. Ah, ça commence les phases d'illusion. Hein. Est-ce qu'elle aura le temps? Non, clairement, plus que 200 points de vie. C'est mort pour toi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné? Donc ça, c'est des gold arrows, c'est ce que je connais. Peut-être que les fleurs, là, ici, sont, je sais pas, plus rares. Non. Corn seed, shuriken flower. Ouais. D'accord, orange flower. Il y a peut-être des secrets aussi, mais... Mais attendez, mais elle est juste morte comme ça? Ça me semble bizarre. Ça me semble vraiment bizarre. D'accord. Et c'est tout. Écoutez, je vais le refaire directement, si c'est ça. Allez. J'ai payé directement les 2000 points d'XP dans le portail. Je sais pas ce que ça fera, mais... Allez, allez. J'ai pas l'impression qu'elle soit plus dure ou quoi, là. J'avoue que j'évite pas trop exprès parce que je regarde juste sa vie et tout ça. Puis bon, j'ai pas mal de potions derrière. Même si c'est chiant à faire, si j'ai pas d'autres boss à faire derrière, je m'en fous un petit peu en fait. Quand même, je vais me calmer. Une potion. Bon, si je dis qu'une potion à chaque fois, c'est pas très grave. Aïe. Par contre, j'ai pas envie d'en utiliser deux. Allez, faut mourir. Ok. Ah, là, elle donne des runes et tout ça. M'a donné autre chose aussi. Enfin, je dis elle, mais c'est peut-être pas elle. Alors, Druidic Greaves. Ok, des bottes de druide. Bien. Poison résistance level 2. D'accord, ça donne des potions de résistance au poison. D'accord, ok. Très bien. Et c'est tout. Mais j'imagine qu'il n'y a pas plus, hein. Je l'ai battu, point barre. Ok. Donc comme orbe, elle m'a donné quoi? Comme rune, pardon. J'avoue que là, ça serait assez difficile de savoir. Peut-être ça. Rock résistance, stabbing résistance. Je ne sais pas. Écoutez, on va revenir, voilà. À la maison. Sauvegarder, écran titre. Bon bah écoutez, tous les boss ont été faits. Pour être sûr, attendez, je vais regarder sur le wiki en direct. Alors. Planète Centauri Wiki. Planète Centauri, Gamepedia. Ok, about Planète Centauri, tout ça. Allez, boss. Donc il y a le nécromancien. Ça. C'est fait. Le dragon de l'enfer, c'est fait. La fée de feuilles, ben, c'est fait du coup. Le poussin mutant, c'est fait, donc c'était avant le maître. Mais voilà, le maître, c'est fait aussi.
et le T-Rex s'est fait aussi. Bah écoutez, Moi, je n'ai pas fait tout ce qui est agriculture et tout ça dans le jeu, mais bon, j'avoue que je trouve pas ça hyper utile pour l'instant. Ben, peut-être qu'après, il y aura des modes hard et tout ça, mais... ouais. Ouais, je sais qu'après, on peut être un robot et tout, mais... Les minerais, je les ai tous découverts. Ouais, gold, or, c'est le dernier. Tool, cooking, tool, donc outils. Allons dans outils. Ok, d'accord, il y a 3 haches, 3 pioches. Ouais, je vous avoue que je sais pas. Transformation, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est transformation en monstre. Ça, c'est déjà fait. Les PNJ. Donc voilà, il y a chloridien et c'est mort, c'est tout. Armes. Ah, peut-être que les armes, je trouverai d'autres trucs. Donc il y a les armes spéciales de boss. Donc par exemple, ben, c'est cet arc-là. La Dark Boomerang, je l'ai aussi. Je l'ai eu la dernière fois avec vous. Ouais. Non, c'est tout. Je vois même pas de trucs technologiques là, en fait. C'est peut-être, en fait, c'est prévu peut-être dans des mises à jour plus loin, j'ai envie de dire. Donc écoutez, jusqu'à ce que tout ça sorte, j'ai envie de dire que ce let's play de Planet Centauri est terminé pour le moment, parce que j'ai fait tout ce que... Bon, la maison est détruite, les chloridiens sont pas très contents. Bon, ils s'en fichent, ils vont chasser des poules. Mais voilà, enfin sinon... mission accomplie, je suis pas retourné sur ma planète, les chloridiens ne sont pas libérés totalement, même si j'en ai libéré pas mal. Mais c'est un jeu actuellement qui n'est pas fini, je pense. Ben, oui, ça, c'est ça, en fait. Il est toujours en développement. Et pour l'instant, il est bien, même si ben, j'ai fait, de toute façon, les critiques au fur et à mesure du let's play. Ça manque d'une ligne directrice, tout simplement. Ouais. Là où Digorda, il savait bien terminer... Là, c'est un peu fouillis, un peu comme à la Terraria. Donc, genre, bah, voilà, il y a des boss, il y a des items. Mais derrière, bon, ben bah, voilà, bah, démerde-toi, hein, écoute. On peut se faire sa propre histoire, certes, mais... C'est bête de laisser ça comme ça, alors qu'il y a des chloridiens, le maître nécromancien et tout ça, qui servent à rien. Clairement. Bref, j'espère que ce let's play vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.